Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette chaîne YouTube. Ça fait bien depuis le début, oui, depuis mars-avril, qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne YouTube Bipositive. J'espère que vous allez bien. Quoi vous dire? Déjà d'une, il est temps de dépoussiérer cette chaîne YouTube. Et de deux, il est peut-être temps de reprendre ce qui a fait le succès un petit peu de cette chaîne. C'est parti, jingle! Salut tout le monde, voilà, donc quoi vous dire de plus, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne YouTube. Voici mon nouveau studio. La dernière vidéo qu'on avait fait, c'était pendant le confinement, il me semble que c'était la fin du confinement. On était dans mon ancien appartement avec ma chérie. Et aujourd'hui, on a eu beaucoup de choses. Mais je pense que je vais vous en parler tout au cours de cette liste de vidéos qui va reprendre. Comment vous dire? On est à 2 jours de Noël. J'ai envie de repartir sur de nouvelles bases, sur une nouvelle année assez grandissante. Je vous parlerai de tout ça au cours des prochaines vidéos, de tout ce qui s'est passé cette année, de tous les coups durs que j'ai eu, tous les coups de dingue que j'ai eu, toutes les belles choses qui se sont produites cette année, tout simplement. Mais j'avais surtout envie de reprendre vraiment les bases de cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, je l'avais créée pour principalement balancer des vidéos sur le défi des 100 jours de Lilou Massé. Le défi des 100 jours, c'est quoi? C'est un défi sur 100 jours. Voilà. Non, plus clairement, c'est un défi qui a été proposé par Lilou Massé il y a, ouais, il y a bien plus de 15 ans, hein, en 2005, je crois, 2007 ou 2005, je ne sais plus. Et en fait, ce défi vous invite à vivre une vie extraordinaire pendant 100 jours. C'est-à-dire que vous vous posez chaque jour, posez des intentions, vous posez des questions, vous faites des exercices pendant 100 jours pour matérialiser vos rêves. C'est en lien avec la loi de l'attraction, avec la physique quantique, avec plein de choses, avec des techniques de développement personnel, avec des techniques de méditation, de visualisation créatrice, beaucoup de choses qui ont attrait au développement personnel. Et pendant 100 jours, vous allez vous fixer des objectifs, fixer des intentions pour qu'à la fin des 100 jours, vous fassiez un bilan et puissiez voir ce qui a été réalisé, ce qui n'a pas été réalisé. Et vous faites ça sous forme de saison. Je dois en être à ma saison 12 ou 13, je crois. Mais c'est pour ça que j'avais envie de le reprendre, parce que ma vie est un chaos. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens. C'est désordonné de chez désordonné. Rien que voir mon cadre de vision, il est désordonné. Et j'avais vraiment envie, vu que j'ai un peu plus de temps maintenant pour moi, de reprendre ce qui avait vraiment chamboulé complètement ma vie. Tout simplement le défi des 100 jours. J'ai envie de vous emmener au travers de ce défi des 100 jours à vous poser vos propres questions, à vous positiver, à vous donner mon ressenti, à vous montrer un peu tout ce parcours que je faisais déjà. Je vous invite même à aller regarder les autres vidéos du défi des 100 jours pour voir un peu l'évolution que j'ai eue depuis 8 ans maintenant, 8-9 ans que je fais du développement personnel. Et effectivement, j'ai tellement envie de reprendre tout ça parce que je suis reparti en pilote automatique depuis la fin du confinement, que je ne gère plus rien, je stresse, je suis en total stress, j'ai pris du poids, j'ai eu beaucoup de choses, j'ai changé de voiture, j'ai changé de maison, j'ai changé de PC, j'ai changé de portable, j'ai changé plein de trucs, mais j'aimerais vraiment reprendre des objectifs, des intentions claires pour pouvoir vivre une vie extraordinaire et vous inviter à faire de même et vous positiver un maximum. J'ai vraiment envie de faire évoluer cette chaîne YouTube en quelque chose de dingue, en quelque chose de positif, que ma communauté puisse s'épanouir et qu'on puisse échanger, créer des choses. Mais pour ça, il faut que je parte sur quelque chose de structuré. Et effectivement, quand j'avais mis en place le défi des 100 jours, ça m'a tellement apporté de choses dans ma vie de dingue, que ce soit de la gratitude, que ce soit des objectifs, des projets qui se sont concrétisés. Je veux les matérialiser grâce à ça. Donc écoutez, il est grand temps de reprendre le défi des 100 jours, saison 13, je crois. Je le marquerai de façon en description. Et je vous invite à me suivre et à partager ce chemin avec moi pour qu'on soit épanouis et qu'on vive des choses extraordinaires ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour le jour 1. Bye!